Bonjour, internautatrice et internautateur, ici Galen pour les jeux du cygne. On retrouve notre découverte de Sunwalkers, pardon, avec donc notre 20e caravane qui était plutôt bien partie, même si elle avait dû faire de nombreux allers-retours. Elle a fait pas mal de choses et maintenant j'ai plus qu'un seul objectif, bah c'est arriver jusqu'à la mer des arbres. Trouver Umama. Et mon problème, une fois n'est pas coutume, ça va être d'arriver à nourrir tout mon petit monde. Y a plein de zones qui n'ont pas encore été découvertes, et on sait que là, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va essayer. Il y a peu de chances que j'y arrive. Mais j'ai encore pas mal de popos de vie, donc... De toute façon, j'ai à peu près plus que ça à faire dans l'immédiat. Je sais pas si j'ai intérêt à aller chercher ce lézard. 35%. Ça va vite aller. Hop, allez. Une petite embuscade. Ça permettra au moins à mon pyromancien de régène. Ou niveau 5. Ah, avec des monstres que j'ai jamais croisés encore. Bon, dans le pire des cas, c'est pas très très grave. Bon, si, ce qui m'emmerdera, ça sera de perdre des personnages qui sont déjà niveau 5. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait 55 de dégâts à ma ligne avant en physique. Lui, il s'attaque. Ouf. 65 de feu. Et il se met brûlure. Et ah oui, d'accord, ils ont décidé de défoncer mon pyromancien, manifestement. Ok. Alors, est-ce que j'ai moyen de faire un stun là tout de suite dans l'immédiat? Presque, mais pas tout à fait. Lui, par contre, je peux le stun. C'est très bien. Là, il me fait quoi lui? Il me fait que moins 5 PV. Très bien. Allez, on va partir là-dessus. Bim. Hop, il est stun. Alors là, on va protéger monsieur. Et monsieur va se soigner. Résistance 25 pour les 3. Hop, voilà, brûlure, elle fait mal. Ouais, je suis désespéré. Ouf. Moins 100% là. Lui, je peux le stun en fait. Là, je le tue. Bon, je pense que je vais en profiter. Tiens, hop. Hop. Alors, que là tout va bien. Est-ce que lui, je peux le terminer? Là, je fais combien de dégâts avec lui? 67. Je fais 67 de dégâts. Il a 25% de résistance. Dans le pire, je lui rajouterai un petit truc comme ça. Là, je vais faire requin inquisiteur sur lui. Comme ça, je pourrais le stun au prochain tour. Ah, merde, presque mort. Bon, ceci dit, je peux le tuer là. J'ai pas de dégâts de zone. Non,
tant pis. Ah. Ouais. Et oui. Ouf. Ça c'est 3 vivres. Youhou. Trois vivres donc. Bon, on va aller consommer. Et je peux faire un level up du coup. Je vais faire un level up sur lui. Des fois j'arrive à choper le heal de groupe. Des fois que j'arrive à rien choper du tout, c'est bien. C'est quand même un peu lourd. C'est quand même un peu lourd. Alors là, j'ai l'ombre d'un prédateur ici. Dessus. Allez, on va commencer à popoter. Hein. Hop. Hop. Et hop. Et puis ça, avec sur lui. Là j'ai un peu de bouffe. Ah zut, j'ai 6 de bouffe avec du macérat. Pff, super. Alors là de toute façon il faut que je passe par ici. C'était quoi? Je sais pas ce que ça apporte. Et ben go par là. Ensuite du macérage, j'en ai 5. Querelle houleuse, nous étions à bout de nerfs. Arrivé à ce qui devait arriver, un léger désaccord, sans importance particulière, dégénéra en crispation, puis en cri, provocation et menace. Nos corps réclamaient la violence, mais la raison nous commandait de cesser cette folie. Je peux perdre un peu d'espoir. Ou alors, il se tape dessus, ça réduit l'espoir de la caravane. Super. De toute façon, vu l'état de mon espoir, nous étions formés à désamorcer les conflits, rien ne devait pouvoir entamer notre cohésion, mais la rancœur s'était glissée sur notre carapace comme une larve de guêpe. Nous reprîmes la route dans un silence glacial que le ciel de la nuit pouvait à peine prétendre approcher. Hop. Tac. Bon, je crains que je puisse pas passer par là, qu'il me faille passer par là. Je crains, Jean. Niveau 7, ouais, ça commence vraiment à piquer là. Je vais repopoter un coup. Tuc, 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 85 sur 63. Hop. Ça va commencer à être vraiment compliqué. Implacable. Niveau des ennemis 7. Là, j'ai les 3 qui agissent. Lui, il me défend. Oh. Oh la vache. Oh. Ah oui, en plus, lui, il va me mettre faiblesse mentale, donc ça va me faire encore plus de dégâts derrière. Ok. Alors. Lui, je peux le stun. Ça, c'est bien. C'est très bien ça. Là je vais prendre un tout petit peu de dégâts mais ça ira. Et là je vais prendre fort de dégâts quand même. Waouh.
Il rigole pas du tout, ouais, je peux le stun lui aussi. Ah oui, faiblesse 50%. Qu'est-ce qui me fait le plus mal en fait? 87 et là 110, bah, c'est lui qui me fait le plus mal. Donc c'est lui que je vais stun. Ah, c'est tout juste, hein. On va le protéger. Tac. Hop, on va se soigner. Là, ils sont tous les deux sur mon éléphant. Ce serait... Bah, je pourrais en stun un autre. Là, je fais quoi? Je fais... Ils ont quoi comme résistance? 0%. Lui, ce serait bien s'il pouvait avoir des dégâts de zone, en fait. Ah, ou alors je fais ça. Et ça, ça le tue. Ah, c'est pas mal, ça. Allez. À la greu. Tac. Faiblesse 25%, c'est bien ça aussi. On a dit ils étaient tous les deux sur mon... Oh, pardon. De retour. Désolé. Donc, on a dit... Je peux l'aveugler, des fois que ça fasse son petit effet. Hop. Ah, je prends 5 de dégâts, c'est quoi ça? Pourquoi ils ont tous pris 5 de dégâts? Je sais pas. Lui, on sait que ça le stun. Et c'est un miss. Très très bien. Et le prochain, il sera stun. Voilà, 50% de résistance. Bon, ça le stun aussi. Du dégât physique, ça le ralentit, ça je fais combien? Bon, je fais pareil, sauf que là je lui mets cible facile, ce qui permettra de lui faire plus mal au prochain. Hop, un petit heal, 48 56. Il fait combien derrière? 62 de physique. Donc dans les deux cas ça fonctionne. Hop. Tac. Ça, ça le tue. Et... Ok. Allez, on continue. Zéro bouffe. Zéro, zéro, zéro. Dans le coffre de voyage, est-ce que je suis susceptible? Ah, peut-être une fusée éclairante. Ça pourrait le faire. Ah zut, il y avait un observatoire là. Ouais, découvert. Je l'ai vu trop tard, je vais faire des fouilles. Hop. Ce qui me donne un coffre de voyage. Mais est-ce que je peux l'ouvrir? j'ai pas de crochet. C'est un peu con-con. C'est très très con-con. 14 de dégâts et affaibli, c'est mieux. Pas trop de trucs pour affaiblir. Bon, tac.
ça me fait regagner un petit peu d'espoir. Ça suffit pas. Hop. Ah merde. J'aurais dû aller plus à l'est. Basalte, c'est moins pire que le sable. Ça, c'est moins 4 et ça, c'est moins 3. Marche en canique. Un Oryxal s'approche de vous. Il avait reconnu la caravane MK et savait que nous devions poursuivre à l'est. Il tenait à nous prévenir que les éclaireurs de sa tribu avaient rapporté avoir aperçu un Scorpicor rôder dans cette région, une bête extrêmement dangereuse que seuls les plus grands chasseurs pouvaient espérer tuer. Nous le remerciâmes pour ces précieuses informations. Il aurait été fâcheux de se laisser surprendre. C'est cool, mais si tu m'avais donné de la bouffe, ça aurait été encore mieux. J'aurais bien voulu faire du commerce, moi. Mais bon, manifestement, c'était pas au programme. C'est pareil, c'est pas du tout dans la bonne direction, quoi. Alors, cauchemardeur, somnambule. Perte de l'espoir. Chercher ce qui... Fuir. Candide. Ah, rien à voir. Moins 10 de boue, j'ai pas. Je vais certainement pas la battre. Toute façon, j'ai pas beaucoup d'espoir. Je vais mettre un bouclier parce que je vais bientôt avoir un combat. Logiquement. Là, j'ai de la bouffe, mais il faut remonter vachement au nord. Consommer hop mes dernières popos. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Les mêmes que tout à l'heure. Ah, sauf que lui, il me fait une attaque de zone. Mais lui, il est toujours sensible à mes dégâts de... mes dégâts physiques. Ouch, et voilà, un mort. Et ça, c'est un peu con-con, parce que j'aurais pu le soigner, j'ai absolument pas géré. C'est très 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 con-con. De toute façon, je sais que j'arrive au bout. Ça fait un certain temps déjà. Là, je fais combien? Je fais 30 et 27. Ah, je m'en veux un peu quand même. Je suis un peu vite. Parce que là, je leur fais pas des masses. Je lui fais 15. Ouais, limite, en fait, c'est plus efficace comme ça. Là, je le touille. Alors, j'en stun un avec ça. Hop. Et l'autre. Ouais, j'aurais presque pu en laisser un. Ah non, parce que là, il attaque derrière. Ouais, j'aurais pu laisser attaquer le tank, en fait. Il perdait que 3 PV. Ah, il a gardé son stun, tiens. Ça m'arrange. Hop.
Ça m'arrange qu'il ait gardé son stun. Vraiment. Ouais, là ça va commencer à faire très très chaud quand même. Comment est-ce qu'on fait pour passer? Je crains qu'on ne puisse pas passer par là, ou alors sinon, non, en fait, il faut passer plus au sud. Bon, je le saurai pour une prochaine fois. Ah, c'est bloqué. C'est bloqué et c'est mort. Clairement, on ne peut pas passer par là. Tout ça, c'est infranchissable. Ça va être écrit, cri, 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 compliqué. Hop. Ah, ça donne en plus 3 ostropolides. C'est sympa, ça. Aïe. Une autre embuscade. non, je voulais popoter. Bah tant pis. Définitivement. Lui, il est sur mon assassin. Il va un peu le tuer là. Et ben on va poupoter comme ça, et puis on va daguer derrière. Le dernier, je peux pas l'en empêcher. Alors là je peux. Ouais, sauf que maintenant il a une. Résistance au stun. Alors, je peux one shot avec mon assassin, je crois. Là, il le tue carrément. One stun comme ça. Ouais, je fais une petite charge comme ça. Du boubou. Hop. C'est ça, là je le tue. Je vais affaiblir. Comme ça. Hop. C'est bon, c'est pas passé. Voilà, par contre on va l'aveugler. Lui la faiblesse, il s'attaque à non. Mon machin là. Ça suffira pas. Bon, je veux aussi... Ah ben non, je peux pas le. Je peux pas le... Ah si, je peux l'aveugler avec ça. Bon, on va tenter comme ça. Attends, lui. Ah, ils attaquent tous les deux le. Bon, on va faire ça. Hein. En
L'avantage c'est que maintenant je peux le rustun. Et je le finis. Mais mon archéologue est plus très très en forme. Oh, prend 20 points de santé et donne galvaniser un allié. Ça c'est bien. J'aime ce genre de petits objets. Ah, Yanni va nous mourir. Non, Yanni ne va pas nous mourir. Tiens. Hop. Alors, tac tac tac. Là, c'est infranchissable aussi. Avec un peu de macérat, on arrive à survivre vaguement. Mais c'est vaguement seulement. Hein. J'ai beaucoup trop de... Ah, là, il y a des gros vilains. Il y a des gros vilains. Ah, je peux pas l'utiliser hors combat, quoi. C'est un peu débile. C'est carrément débile. Je peux pas l'utiliser hors combat. Tout naze. Et tout naze. Qu'est-ce que je vais... Hop. Des fausses ça et des fausses ça. Là, il y a deux combats de suite. Et ce sera deux combats avec un seul perso. Ah tiens, je peux level up mon éléphant. Un tout petit peu plus de dégâts ici. Des épines en plus, c'est bien. Ça fait quoi? Ça rajoute protégé. Ouais, c'est bien aussi, mais ça suffira pas. Ouais, parce que là, c'est... C'est vraiment du chouchou. Adieu. Ah, non, je fais un petit combat avant. Ah, c'est peut-être celui qui va me sauver. Parce que je vais pouvoir utiliser ma popo qui redonne de la vie. Mais sauf qu'il risque de me faire trop mal, mais... Ouais, on laisse tomber. Ouais, lui il me tue en fait. Bah, je vais l'utiliser sur... Ah, il inflige des dégâts en plus parce qu'il a pas assez de vie. Maintenant il est galvanisé. Hop. Bim. Au revoir Yanni. Ouais, et puis du coup les potions je peux aussi vachement moins les utiliser. Hop, on va bouclier. Lui il fera pas tout seul. Hein. Ceci dit, à eux deux, ils peuvent survivre assez longtemps. Tu détestes encore, je l'ai fait. Hop. In et c'est fini.
tiens, un tout petit peu de bouffe pour dire que. Je suis surchargé, mais je m'en fous. Plus 80 tels, plus d'embobou. Hop. En surcharge, pardon. La racine de machin, je m'en fous. Quoi le fétiche que t'as? Je m'en sers jamais. Ah si, si. Je m'en suis servi là. Aveuglement. Qu'est-ce que je fais? Je vais jeter. Je vais jeter un truc comme ça. Tac. De suite, j'y crois pas trop. Ah, j'aurais. Ah, si. Bah, non, parce qu'il agissait avant moi. Et là, je les stun pas. Ah, si, lui, fait le stun. Ça c'est quoi? Ça rajoute du bouclier à l'avant. Ouais, lui il tue mon assassin. Et lui non, lui ça. Hop. C'est joué comme ça, mais ah, j'aurais dû. Ah, j'ai pas eu cette position ou quelque chose. Hop. Est-ce qu'il y en a un qui craint un peu plus que l'autre? Ah, lui, je le mets un shield break. Et lui, laisse que lui pour voir. Ah non, je vais pas pouvoir le. Et tour 2. Je vais l'affaiblir. Et lui derrière, il va me rajouter les épines boucliers. Mais non, merde. Quel con. C'est la mort de mon tank. Et mon assassin ne fera rien. Tout seul, il n'en est pas capable. Tac. Lui, je peux le stun pour dire que. Mais c'est vraiment juste pour dire que. Ah, en plus, je me prends des dégâts même quand j'utilise des grenades. Allez, adieu. La 20e caravane. Elle sera presque arrivée au bout, mais pas tout à fait. Géomancie. Ouais, j'ai quand même récupéré énormément de choses. Niveau 5 seulement. Et 235 souvenirs de rapportés et 2 fragments, c'est quand même pas rien. Alors, du coup, j'ai débloqué plein de trucs. Alors, je débloque l'hydromancien. Hop, je débloque le génie.
Je débloque l'archéologue. Je débloque réputation auprès de terrassiers, plus soutien dans les villes terrassières. Contre-traité politique terrassière. J'ai même pas lu l'art de comment. Les caravanes peuvent recruter des soutiens dans les villes terrassières à partir de menus de réputation permanente auprès des terrassiers. D'accord. Ça, c'est fait. Ici ensuite, réputation auprès des MK et route MK. Construction d'une route entre Lekwasi et Muzawenkosi. C'est pourtant mieux. Très bien. Et ça, c'est réputation auprès des terrassiers. Hop. Et ensuite, bah, c'est que du bœuf. Des vivres max, bouclier dégâts. Il me reste combien de points? Il me reste 70 points, donc je peux en prendre. C'est 20. Ah, je peux prendre 2 fois 25. Plus 20. Tac. Ensuite, c'est quoi ces 30? Hop. Et 20 points. Un peu plus de poids transporté. Et ben voilà. Et donc là, du coup, je vais avoir potentiellement trois personnages complémentaires disponibles, sans doute au début. Et du coup, je vais pouvoir choper un archéologue depuis le départ, qui soigne depuis le départ. Alors, il a des traits de merde. L'hydromancien, exalté et dégâts depuis l'arrière. Qu'est-ce que ça met? Ça met empoisonné sur deux cibles. Ou alors là-bas antiseptique. Bon, on va le tester. Hein. Archéologue avec bouclier régénérant, c'est pas mal. Ou le génie. Alors le génie, ça a l'air d'être un tank plutôt. Brûlure chimique qui fait affaiblir, cible facile. 4 éléments dissimulés dans le brouillard. Régène de santé, plus de dégâts de l'arrière-garde, dommage, pour un mec qui est plutôt orienté tank. Et ben je vais partir sur un archéologue. Ensuite, ben, il faut quand même un tank à un moment. Hein. Un petit exalté. Lui avec son heal devant, c'est pas mal. Merde, j'ai pas de protecteur. Ah, ou alors sinon je mets lui. Alors, par contre, je vais souffrir parce qu'en termes de vitesse, ils sont tous lents. Ça veut dire que je me ferai systématiquement attaquer en premier. Alors j'essaie le génie. Alors, on va tester, hein. On va tester nos trois nouveaux. Allez, c'est parti ainsi pour la 21e caravane. Mais ce sera pour un prochain épisode pour YouTube. Merci de si vous l'avez regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à laisser un petit pouce. Si ça vous a plu, et puis à bientôt pour la 21e caravane. Des bisous!